déplorer qui finit dans un ben, événement dans l'année qui finit écoulée, qui ne fait que ça va un événement-là diminuer valeur, moi, je veux dire, de la présentation même du budget dans le contexte qui nous est trouvé. Hein. Finit dans d'abord un ben, événement dans lequel je ne vais pas les rentrer en détail, nous les a commencé ça. L'affaire Vishnu Natchimenraidou, ben, la guerre entre ministres, etc. Et puis, bon, finalement, le jugement de Pravin Jagnauth qui, il fait dire, regagne son siège. Et ça, moi, je déplore sa façon dont il fait là. Du jour au lendemain, même pas 12 heures de temps après, il finit retrouvé dans le siège du ministre des Finances et qu'il ne dit sa responsabilité pour présenter le budget de l'État. Donc, ce budget-là peut être présenté dans une conjoncture difficile. Nous ayant la conjoncture internationale d'abord, nous ayant la conjoncture nationale aussi, et puis nous ayant ce qui ne nous paraît pas trop tendé, mais ce qui me pensait bien quand même ayant sur l'importance, autant que nationale et internationale, c'est la conjoncture régionale. Régionale. Parce que vous connaissez, il y a une belle petite chose qui est arrivée cette année-là, dans sa coup de massue qui finit gagné au service financier. Nous connaissons avec Double Taxation Agreement qui gagne sous difficulté. Et moi, dire, et tout le monde connaît d'ailleurs, que le service financier finit prendre un coup de massue. Il est extrêmement fragilisé. Étant donné qu'il est extrêmement fragilisé, nous besoin de l'occasion, une opportunité dans la difficulté. Et nous avons toujours une possibilité pour trouver une solution dans ce sens-là. Et qui est capable de faire l'île Maurice sur la tête reste toujours haute. Et là, nous connaissons, c'est plus dans les sorties d'investissement de l'Inde vers l'Afrique qui est une opportunité. Pas tellement dans le sens AlvLN. Au contraire, dans le sens AlvLN, et non, quelque chose, une perte peut-être, qui peut bien enregistrer, qui peut enregistrer et qui peut bien continuer à enregistrer, d'après ce qu'il nous sentit. Mais dans l'autre sens, il n'a pas d'opportunité. Mais ça, il y a dans l'Afrique, c'est la région. Mais si ce budget-là, il peut prendre conjoncture internationale et nationale, et puis il peut passer régional frivolement, mon pensée, il peut être une erreur. Nous pouvons attendre, nous pouvons guetter, mais nous pouvons faire nos positions. Moi, je veux dire que moi-même, quand je suis ministre des Finances, je développe ce qu'on appelle le Regional Development Certificate. Nous avons un tas d'incentives pour développer sa situation-là, qui fait Maurice et que la région, en ce qui concerne mon investissement, travaille de plein pied. Presque n'a rien pas fonctionné, le plan finance et le plan économique, dans l'année qui finit écoulée. Parce que nous pouvons fier nous avec ce qui, cette situation-là, qui était un an avant et qui finit arrivé, l'urban paramètre. Mais nous pouvons trouver que tout le monde est d'accord avec l'analyse. Nous avons quatre grands piliers d'économie. Votre ministre des Finances, même, il cause ces quatre grands piliers-là. Et il me dit bien fort, hein, parce qu'il n'est pas capable de dire autrement, parce que la situation est comme ça. Si on prend le secteur sucre, on prend le secteur manufacturier, ça veut dire textile, clothing, etc. Si on prend le secteur des services financiers, tous les trois secteurs finissent dans une difficulté importante, finissent dans un blocage et finissent dans une perte dans tous les trois. Si vous avez de croissance, vous vous trouvez de tous les trois dans difficulté.